Ok, salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des slow-mo pour les noobs. Donc aujourd'hui, on va faire un petit trick avec un briquet, un simple briquet avec la pierre qu'il y a dedans. On va faire un petit feu d'artifice maison, hein, qui, voilà, enfin c'est juste pour voir ce que ça peut faire en slow-mo. Donc il y a moins que ça soit joli, parce qu'on a déjà vu des exemples avec des pierres justement allume-feu, hein, des pierres qu'on trouve dans les magasins de chasse et de pêche, hein, pour faire des grosses étincelles, pour allumer les feux assez rapidement. Donc on pouvait gratter dessus, voilà, en fait c'est ni plus ni moins voilà, une pierre de briquet, quoi. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chauffer à rouge avec un deuxième briquet, et quand elle est bien rouge, si on la jette assez rapidement contre le sol ou contre quelque chose, voilà, elle explose en fait, elle fait des jolies étincelles. Donc on va faire ça en slow-mo à 2500 images par seconde pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être assez joli, hein. Donc on se retrouve tout de suite, ciao. On m'appelle sur Skype, on s'en fout. Ok, donc sur le briquet, vous enlevez la partie en métal. Donc voilà, prenez pas un briquet électrique, hein, vous êtes pas bête. Donc voilà, ok. Ensuite là, vous déclipsez la petite molette où vous grattez. Voilà. Et là, juste en dessous, il va y avoir la petite pierre qui va tomber. Donc voilà, c'est très petit, hein, ça doit faire peut-être 2 mm d'épaisseur, enfin de longueur. Donc c'est vraiment pas gros. Ensuite, moi je me sers du petit ressort qu'il y a dans le briquet. Hein, donc moi je le prends. Comme ceci, je l'écarte et je coince la pierre. Je coince la pierre dedans. Ok les amis, donc là on va passer à la phase finale. Bon, on va faire péter cette petite pierre. Donc moi je le fais sur une table en verre, hein, pour qu'on voie mieux en fait. Puis pour pas que ça brûle non plus le reste. Faites pas ça n'importe où, hein, vous êtes pas con. D'accord. Wow. Ouh, j'ai laissé une belle marque. Ouais, pas mal. Waouh. Ah ouais, ça fait un sacré peu d'artifice quand même. Ça a quand même vraiment de la gueule, le truc. Merde, t'es écrasé? Oh non! Non! Oh! Eh ben, super résultat, hein. Je pensais pas que ça allait faire ça. Enfin, j'avais aussi quand même une petite idée, hein. Mais n'hésitez pas à refaire cette petite expérience chez vous, avec sécurité bien sûr, hein. Faites-le pas chez vous à l'intérieur, faites-le dans le jardin, un endroit où il n'y a pas quelque chose d'inflammable à côté. Résultat, alors, comme je disais, assez joli en slow motion, donc voilà, hein, une petite idée qui me trottait dans la tête aussi. On va commencer à faire les idées que les internautes, enfin, que vous nous laissez. On en a eu encore pas mal sur la dernière vidéo. On vous le dit jamais assez souvent, mais franchement merci, sérieusement, et je dis pas ça pour faire le focus ou quoi que ce soit, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et ça nous fait vraiment plaisir, hein. Sur les commentaires vous êtes super actifs et tout, donc c'est vraiment cool de votre part. On prend toujours note, hein, de toutes les idées, on en a déjà 2 ou 3 de prévues, hein, qui ont été laissées en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Twitter, hein, donc parce que je sais que vous êtes nombreux. On est aussi sur Facebook, il doit y avoir le lien, je vais peut-être le mettre à la fin ou dans la description. Venez nous voir sur Facebook, hein, on laisse toujours des actus, on laisse 2-3 photos, on laisse 2-3 conneries, donc c'est vrai qu'on n'en parle jamais assez, mais voilà, on est sur Facebook aussi. On a un Twitter aussi, je me souviens plus ce que c'est, on vous le marquera dans la description. Et puis voilà. Merci les Frenchies, ça fait plaisir, et puis à un prochain épisode, ciao.